Allez, salut tout le monde, c'est Azuric Perassi, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 742 de notre aventure 100% sur Hyrule Warriors Definitive Edition. J'espère que vous allez bien. Écoutez, pour ma part les amis, je vais très bien. Souvenez-vous de l'épisode précédent, on avait continué notre mode aventure dans la carte des mers occultes, on est à 3%, plus que 97, voilà. Et du coup, souvenez-vous, on a cette case dans laquelle on avait obtenu notre rien du tout, case avec Laurent. Commence à se débloquer au fil du temps. Malheureusement, je ne peux pas faire grand chose, c'est comme ça, hein. je ne peux pas forcer le destin. Mais de toute façon, on en aura besoin certainement de cet item là, vu qu'il y a un goéland, donc on va devoir lui donner un free miam. Donc normalement, d'ici peut-être quelques épisodes, on pourra, d'ici peut-être 1, 2, 3, parce qu'on va mettre 3 ici, comme enfin 2 épisodes ici, donc logiquement, d'ici peut-être 4 épisodes, on pourra s'y attaquer, enfin finir cette case, et comme ça au moins ça sera fini, enfin ça sera fait. Et du coup, ce qui est bien, c'est que, écoutez, on va du coup pouvoir débloquer les cases un petit peu de couleur, un peu, je sais pas c'est quoi cette couleur. J'ai l'impression que c'est du orange, vu que c'est un peu plus clair chez moi. Donc c'est orange, j'ai l'impression, ou peut-être non pas orange, jaune, on va dire jaune. Donc ces cases un petit peu jaunes, tout simplement, donc les cases jaunes. D'ailleurs il y en a 1, 2, il y en a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc écoutez, ça nous permettra de nous spoil un petit peu au niveau des collectibles, c'est ça qui est bien. Et donc aujourd'hui on va s'attaquer à ici les amis, dans lequel vous avez vu qu'il y a un réceptacle de cœur à récupérer avec Tetra. Donc c'était un ouragan, la bataille effrénée de niveau 1 et règle des mers maudites interdit de se guérir. On peut voir qu'en face de nous, nous avons du coup Shake et Zelda et des âmes. Donc les amis, c'est parti. Alors du coup, ouragan, c'est deux persos max, mais on va pas cette fois-ci utiliser la méthode bâtarde. On va faire les choses dans l'art hein, cette fois-ci, sachant que c'est une petite ouragan. Hein. Si aurait été un ouragan de niveau 10 ou de niveau 8, ça aurait été autre chose. Mais là, on va utiliser des persos assez sympathiques, comme par exemple, pourquoi pas utiliser notre petit roi d'Hyrule. Ça pourrait être cool, non? Les petits rois d'Hyrule, on a pas de mode. Sinon on a normal mer, donc écoutez, on va mettre ça et du coup c'est parti. Alors du coup hein, la bataille effrénée, donc ça veut dire qu'il faut battre logiquement le plus d'ennemis possible en minimum de temps. Ben je crois que c'est, il me semble, 3 ou 5 minutes de niveau 1, 6 minutes pardon. Bon ben 6 minutes. Alors Medoli, la première fois qu'on va pouvoir la terrasser, donc j'espère qu'on va pouvoir du coup obtenir un nouveau matériau. Donc on va pouvoir obtenir logiquement un nouveau matériau, sauf si elle me donne cette pute une arme. Chose que je n'espère pas évidemment, du coup c'est pour ça que je vous dis ça. Allez, s'il te plaît. Merci. Oui, bah voilà. Donc on a une nouvelle un nouveau matériau les amis. Ça fait plaisir. Donc logiquement, il me semble qu'ici il y a aussi l'armée générale, non? Quand tous les ennemis se réunissent, je sais plus. Place en chaos. Boum. Boum, 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 boum. Oh, the kingdom to go again. Putain, ça fait 2 ou 3 épisodes que il n'arrête pas d'apparaître. Hein. Mais bon, ça fait plaisir de l'affronter de toute manière. Le roi de Dogo, Pyrop Septaros malfaisant, et ça c'est très très bien. Oh, what the fuck. Merci. Par contre, s'il te plaît. Allô. Oh, thank you guys. Attends. Allez, go. C'est quoi? Regardez la barre de vie. On l'a défoncé quoi. Non mais c'est honteux. Wow. Ok, donc vraiment, déjà on a le rang A, ça c'est sûr, on a le rang A, mais là du coup on va se faire plaisir hein. Tac tac tac, boum, hop. Bon, par contre ça serait bien que les moblins viennent sur nous. Putain, c'est tellement trop bien. Honnêtement, je kiffe. Ça nous fait tes matériaux et tout. Ben, ça veut dire que logiquement, le boss géant va repopper, non? Il me semble que le boss géant va repopper.
Ok. Sorry, mais j'aimerais bien reprendre ça, on sait jamais. Et on va tenter de trouver des Mablane. Parce que vu que ça a pop, hein, autant se faire plaisir un peu. Peut-être il me donnera des matériaux intéressants comme des lances de Mablane qu'on a beaucoup besoin. Enfin, beaucoup besoin, on en a besoin quand même, donc ce serait cool d'en avoir. Ok, des âmes. Ah non, ça pop au pire endroit ever, mais bon, tant pis. Hein. Que voulez-vous? Donc ça pop au sud d'ici. Ça va vous? Pas calmé, hein? Ouais, d'accord. On les défonce tellement. Non mais c'est honteux. C'est honnêtement honteux. Ouais, d'accord. Ah oui. Ah oui, ils ont même pas le temps de calculer là, les ennemis. Bon, ben. Moi, je suis content déjà, j'ai le rang A, donc de toute manière, quoi qu'il se passe. On sait qu'il y a d'autres moblins ou pas? On va quand même aller jeter un petit coup d'œil, mais. Ah, il y a un moblin. Ah, qui est à côté en fait. Il est à côté le moblin. On va quand même l'éliminer, hein. Salut toi. Allez, donne-moi un matériau, s'il te plaît, rare, si possible. Ouais. Je l'ai prédit, c'est ça qui est bien, je l'ai prédit. Aïe, 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 je l'ai prédit. En fait, il n'y a plus beaucoup d'ennemis. Ah, ah, si, il y a beaucoup d'ennemis. Ouais, mais ils sont apparus de... Oh, ils sont apparus au pire endroit. En fait, ils sont apparus de partout. Ça, c'est relou quand ils apparaissent de partout, j'ai juré. Ah, évidemment, hein, je fais ça tout simplement pour récupérer un maximum de matériaux. Du coup, bah oui. Hein. Et en même temps, ça fait de ouf grimper l'XP, donc... pas de ouf. Un peu plus que des ennemis classiques, quoi. Ouais. Ouais, en fait, c'est bien gentil, mais est-ce que ça fait pop? Est-ce qu'il y en a d'autres? Des âmes. Oui, il y a une âme qui est sur le roi de... Bah, c'est grand, vu qu'on l'a pas utilisé encore, donc... voilà. Ça nous évite de faire toujours les grands détours. On est tellement cheaté avec Tetra et tout. On est tellement cheat. Donc là, on va atteindre les 2 minutes. Donc normalement, du coup, logiquement, il est censé avoir un petit boss. On va dire Shake, vu que Shake était censé être notifié sur le truc. Non, il n'y a pas Shake. Bon, bah écoutez, tant pis, on va activer ça. Non, pas Shake, il n'y a pas Shake. Hein, que voulez-vous? Donc ça veut dire qu'il va y avoir la bataille générale. Mais pourquoi c'était Shake alors? Alors c'est peut-être random, peut-être il y a Shake et un coup il y a... Je sais pas. Ok. Boum, 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 boum. Bon, à mon avis il va y avoir la bataille... Enfin, voilà, la bataille générale d'ici maintenant. Voilà, là c'est une attaque générale, ça c'est bien. Donc au lieu de se réunir dans un fort, on va tenter de se mettre ici au moins. Comme ça ils vont tous aller au centre. Et puis après, voilà quoi. Bon, ça fait un petit peu avancer la barre d'XP quand même. Je suis content. On n'a pas fait ça pour rien. En plus, donc. Oh! Bon, bah voilà, ça fait plaisir ça. Par contre, je veux pas dire, mais on fait énormément de dégâts. C'est un truc de dingue. On voit que les armes de niveau 3 ont payé. On voit vraiment que les armes de niveau 3 ont servi quoi. C'est phénoménal. C'est phénoménal. Boom. Alors c'est triste parce que ce coup fatal il prend pas beaucoup d'ennemis. C'est triste, regardez. Ici il y en a énormément, mais à mon avis une trentaine là. Non, une quarantaine, j'ai rien dit. Finalement si ça va. Alors c'est y a mieux, mais ça va, ça va. Il y a 1600. Hop. Boum 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 boum. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on a le rang A de façon obligatoire, donc c'est ça qui est génial. Donc, un nouveau réceptacle de cœur, et ça fait bien plaisir. Ça fait très plaisir, donc tant mieux. Hein. Hop. Boum. Ça va, vous? On vous dérange pas? Très bien, on va réussir à atteindre les 3000 avant que le compte... enfin, le compteur est imparti. Ah, le temps est parti. Eh ben voilà, les 3000. Même un peu plus, tiens. Ça fait plaisir.
Et boum! Et ben voilà! Bon, honnêtement, ça aurait été une belle case. J'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé. Et le roi, évidemment, il fallait s'en douter. Donc écoutez, bah, c'est bien parce que du coup, ça, on va pouvoir débloquer du coup l'autre case avec des scutulators. Cette fois-ci, on va pouvoir découvrir l'illustration de cette zone. Et en plus de ça, on va pouvoir avoir du coup le spoil des nouvelles zones, on va dire. Vous avez débloqué un réceptacle de cœur. Votre énergie vitale est augmentée d'un cœur. Donc ouais, on va pouvoir se spoil un petit peu des nouvelles zones. Et puis voilà. Bon bah écoutez, en tout cas, ça fait plaisir. Hein, victory. Et aussi, on a découvert. Bah, là, on va découvrir du coup un nouveau matériau. Donc Medoli. J'imagine qu'on aura du coup ses ailes. Ah non, peut-être ses ailes, c'est peut-être le truc ultra rare. Donc je verrai peut-être plus son bec. Non, je pense non. Son bec, je pense, c'est ultra rare et ses ailes, c'est rare. Je pense du coup, on va peut-être avoir une plume de Medoli. Je sais pas. Une aile de Medoli plutôt. Une aile de Medoli. Je sais pas. On va voir. Je sais pas. On va voir. De toute façon, on peut pas savoir avant. Alors, merci. Ok, on s'en fout, que de la merde, c'est un truc de dingue. Waouh, c'est genre, bah en même temps, on est, mais what the fuck, je comprends pas. Alors, c'est vrai que c'est une case, enfin, c'est une carte aventure normale, mais bon, ça fait un peu yesh quand même. Avec deux lances insérées de moblines, une boucle d'oreille de Ruto. Elle me donne une boucle d'oreille de Ruto, Medoli. 7 collées d'âme et 2 viandes de moblin. Bon, je savais pas du coup. Un bon fruit d'eau et 2 baies de lumière. Bon, bah écoutez, je pensais que ça allait me donner un nouveau matériau, mais pas du tout. Et on débloque du coup la suite. La boussole. Liste des cartes d'objets. Mer occulte. Boussole, utilisez-la sur l'écran d'exploration pour trouver les endroits suspects. Baguette du vent, utilisez-la sur l'écran d'exploration pour faire disparaître les murs de vent. Canon, utilisez-le sur les navires de guerre pour les couler. Et boomerang, utilisez-le sur les calmars pour les vaincre. Ouais, sur les calmars, comme dans le vrai jeu hein, de base. Arc du héros, utilisez-le sur les tornades pour les faire disparaître. Grue de récupération, utilisez-la sur les cercles de lumière pour trouver des trésors cachés. Frimiamiam, utilisez-le sur les goélands pour qu'ils trouvent des trésors cachés. Feuille mojo, utilisez-la sur les moulins à vent pour trouver des escaliers cachés. Carte marine, attendez, comment ça, feuille mojo, utilisez-la sur des moulins à vent. Oui, ok. Carte marine, utilisez-la sur les embruns pour faire apparaître un ennemi. Bracelet de force, utilisez-les sur un gros rocher pour faire apparaître un ennemi. Et enfin, la masse, utilisez-la sur un interrupteur pour faire apparaître un ennemi. Et grappin, utilisez-le sur des cibles éloignées pour vous faire tracter jusqu'à elle. Normal, enfin, comme c'était habituel. Ouh, ben redé, ça a pop ici aussi. Donc peut-être prochainement un épisode farm. Je sais pas comment on va faire, mais bon. Alors du coup, on va pouvoir se spoiler un petit peu les nouvelles cases. Alors, il y a un truc à faire avec Medoli, à mon avis, un réceptacle de cœur ou un fragment de cœur, ça dépend. Mais je pense à un réceptacle de cœur, vu le peu de réceptacle de cœur qu'elle a. Ensuite, avec Skull Kid. Et d'ailleurs, avec le costume. Ok, donc un réceptacle de cœur avec Skull Kid, l'habit de fée. Donc là, ce sera également soit un fragment, soit un réceptacle de cœur. Le réceptacle de cœur avec Darunia, pardon. Lana, à mon avis, ça sera un réceptacle de cœur aussi. Sia, un réceptacle de cœur. Et Ruto, un réceptacle de cœur avec pas mal de scutulador quand même. Hein. Pas mal de scutulador avec l'habit de les fragments de cœur. Donc, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Ok. Du coup, ben, on va s'arrêter là. Merci de m'avoir suivi pour cet épisode, du coup, numéro 742 de notre aventure 100% sur Hyrule Warriors Definitive Edition. Et on se retrouve, du coup, ben, logiquement, les amis, demain pour l'épisode 743. D'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde. Hey, peace.